Assassin's Creed Origins est sorti il y a 5 ans, à savoir le 27 octobre 2017. Développé par les équipes d'Ubisoft Montréal, le jeu avait pour objectif de ramener un souffle nouveau à la licence. Il commençait à se perdre avec notamment Unity et Syndicate qui n'ont pas été les succès souhaités par l'éditeur. Un objectif qui sera atteint avec Origins car la licence connaît un virage important dans son style de jeu, qui était jusqu'à présent de l'action adventure. C'est un style RPG qui attendra les joueurs avec l'Égypte comme terrain de jeu. Le jeu est un très grand succès, salué par la presse et par les joueurs. Ubisoft a donc réussi son pari en révolutionnant sa licence phare avec un nouveau style de jeu RPG bien dosé. Tout ça avec les fondamentaux qu'on apprécie tous dans les jeux Assassin's Creed. Et bonjour à tous la communauté, c'est Maxwool. Et comme vous l'avez compris, on va parler de Assassin's Creed Origins, un de mes opus préférés de la licence. A l'occasion des 5 ans de cet opus, je me suis replongé dans les aventures de Bayek de Siwa en Égypte pour voir si je ressens toujours cette même sensation qu'à sa sortie. Du coup, 5 ans après, est-ce que j'ai le même avis sur Origins? Est-il toujours un bon jeu? Je vous dis tout ça après jingle. Je vais commencer cette vidéo avec l'histoire de son développement. Il faut savoir que le développement du jeu commence début 2014, après la fin de celui de Assassin's Creed 4 Black Flag. Car ce sont les mêmes équipes qui ont travaillé du coup sur Black Flag et Origins. Le jeu avait même une sortie prévue en 2016, d'après certaines sources. Mais après la sortie en 2015 d'Assassin's Creed Syndicate, qui ne rencontre pas le succès attendu, surtout après la sortie en demi-teinte de Unity un an plus tôt, de nombreux joueurs se lassent de la franchise. Car on a ce sentiment que la licence commence à tourner en rond et qu'elle apporte peu d'évolution à travers ses nouveaux jeux. Et du coup, suite à ces gros flops et quand on connaît l'importance que la licence Assassin's Creed a dans le monde du jeu vidéoludique, et chez Ubisoft commercialement parlant, l'éditeur décide de faire une pause, de revoir sa copie et de ne plus suivre un cycle annuel de sortie pour sa licence et reporte du coup le jeu à 2017. En janvier 2017, des informations et leaks fuitent sur le jeu. Ils nous apprennent alors que le jeu porte le nom de code Assassin's Creed Empire et d'après certaines images qu'il se déroulerait en Égypte. Et c'est quelques mois après que Ubisoft officialisera ces informations et annoncera son nouveau jeu sous le titre de Assassin's Creed Origins le 11 juin, juste avant le début de l'E3, et confirme donc que ce sera bel et bien en Égypte antique. Maintenant, je vais plus me concentrer sur le contexte et le scénario, car le jeu donne place 49 années avant Jésus-Christ, en Égypte, sous le règne de Ptolémée XIII, jusqu'alors le pharaon qui partageait le pouvoir avec sa sœur et femme, Cléopâtre VII. Mais on apprendra que ce dernier sera manipulé par des conseillers de l'ombre, l'ordre des anciens. Il va donc combattre sa sœur et plonger son royaume dans une période sombre d'oppression et de terreur. C'est dans ce contexte tumultueux que nous allons suivre Bayek, un Medjay, protecteur de l'Égypte, venant de la petite contrée de Siwa, qui, avec sa femme Aya, seront en quête de vengeance suite à la mort de leur fils Kemu, tué dans des circonstances abominables par des membres de ce fameux ordre des anciens. Et c'est à la suite de tous ces événements que notre héros se lancera avec Aya dans une traque sans merci contre les responsables de cette tragédie. Une traque qui va dévoiler à nos héros le vrai visage du peuple égyptien qui sont opprimés et persécutés par cet ordre, qui a clairement pris possession du pays. Et c'est à travers ça que les Iron Ones sont créés, pour en finir avec les agissements de l'ordre des anciens. Franchement, en quelques lignes, nous retrouvons quand même tous les traceurs scénaristiques typiques de la licence Assassin's Creed, à savoir une période historique tourmentée, des manipulations politiques, un héros qui subit un traumatisme et se changera en une réelle machine à tuer, tout ça avec une écriture assez fine, même si au début de l'aventure on commence avec un prologue assez décousu, qui mélange le passé de Bayek avec l'arrivée de Ptolémée à Siwa, et ensuite l'enchaînement avec notamment l'assassinat de Rujek, qui est d'ailleurs une de mes scènes préférées du jeu, très impressionnante en termes de mise en scène et en termes d'ambiance. Une histoire qui peut, pour certains, manquer d'originalité, avec le thème de vengeance qu'on retrouve dans de nombreux scénarios, que ce soit dans des jeux vidéo, films ou séries, mais la différence est ce qui est mis en avant dans le jeu, à savoir les nombreux rebondissements dans l'histoire et l'écriture des personnages comme je vous disais plus tôt. Plus on avance dans l'histoire, plus on s'attache à des personnages et plus le scénario devient intéressant. Parmi ces personnages, je vais commencer bien évidemment par le couple Aya Bayek. Ils sont très touchants. Et plus on avance dans le scénario, plus on voit les conséquences sur le couple. Et on se doute de la dure finalité qui les attend. Et franchement, je trouve que le personnage de Bayek a une sacrée évolution pendant toute l'histoire. Au début, nous avons un Bayek très centré sur lui-même, qui est en
en quête de vengeance. Et ensuite, au fil de l'histoire, nous verrons un personnage qui évolue, plus au service du peuple et plus altruiste. En fait, il fait plus assassin à la fin du jeu. Maintenant, je vais parler d'Aya, personnage incroyable à mon sens. On a la chance de pouvoir jouer quelques séquences avec celle-ci. D'ailleurs, je trouve qu'elle aurait mérité beaucoup plus de séquences jouables à mon sens, car elle est vraiment charismatique. Comme Bayek, elle possède une évolution intéressante dans le jeu. Elle va apprendre de ses erreurs et prendre conscience que son destin ira plus loin qu'une simple histoire de vengeance, et au-delà des frontières de l'Égypte. Elle va donner corps et âme pour mettre Cléopâtre sur le trône, mettant la cause du peuple avant sa relation avec Bayek. C'est un personnage touchant, et chaque moment de retrouvailles avec Bayek m'ont clairement ému, car on a cette sensation en avançant dans le jeu, dans l'histoire, que cette relation ne perdurera pas, et qu'ils profitent du moindre moment partagé ensemble, comme si c'était le dernier. Donc franchement pour moi, Aya et Bayek, c'est clairement l'un des meilleurs duos, voire le meilleur qu'on ait eu dans un Assassin's Creed. De mon point de vue, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens aussi à mettre en avant les personnages secondaires, qui sont très bien écrits. J'ai l'exemple de Apollodorus, de Jules César et Cléopâtre en personnages historiques importants, Calicette, qui est notre ennemi dans le jeu, mais qui m'a clairement touché avec l'histoire de sa fille, et le scarabée Taharqa, qui est la pire des enflures, car il nous l'a clairement mis à l'envers, hein, faut se le dire. D'ailleurs, en parlant de l'ordre des anciens, on peut voir qu'ils sont bien amenés. Chaque personnage a son histoire, c'est loin des pauvres types lambda que tu butes au milieu du marché dans Odyssée ou Valhalla. Ces personnages ont une histoire, et ils sont capables de tout pour parvenir à leur fin, au point de s'en prendre même à des enfants, comme Kemu, bien évidemment, qui est à la base du scénario, et la petite Shadia, une des scènes qui m'a le plus marqué dans le jeu. Donc revoir des antagonistes charismatiques envers qui on peut avoir de l'empathie, comme avec Calicette, ou qu'on peut clairement détester, comme le crocodile ou Taharqa, le scarabée, durant de longues séquences, c'est un réel kiff. Pour conclure un petit peu au niveau des personnages, je les ai trouvés quand même marquants et bien écrits. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas touché au jeu, je me souviens de quasi tous ces personnages, car ils m'ont marqué dans le scénario. Quand un scénario t'impacte autant, que ce soit dans un jeu vidéo, un film ou une série, bah on peut dire que les scénaristes ont quand même bien réussi leur coup. Donc moi je trouve que le scénario de Assassin's Creed Origins est très bon, et très bien réalisé. Après au niveau du lore, on est quand même bien servi. On rappelle qu'on est quand même dans les origines de la confrérie des assassins, avec la création des Hidden Ones. Origins nous permet de comprendre les origines de certains symboles importants de la franchise Assassin's Creed, à savoir la scène du doigt coupé, ou encore le crâne de l'aigle qui tombe dans le sable formant le symbole des assassins. Moi j'ai quand même bien aimé ces petites scènes, même si c'était rapide, ça montre que des petites actions banales, ou même des erreurs, peuvent entraîner en fait tout un symbole. Tu vois par exemple le doigt coupé, en fait Bayek il s'est trompé de sens de la lame, et du coup il s'est coupé le doigt comme un con. Et du coup, tous les assassins après ont ce rituel de se couper le doigt pour montrer qu'ils sont fidèles au credo. Et même le crâne de l'aigle, je trouvais que c'était une scène qui était simple, c'est juste le crâne qui tombe au sol, il le relève, on a le signe des assassins et c'est devenu le symbole des assassins. Je trouve ça simple mais efficace. Pour moi, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. En plus de ça, nous avons les White Room. Que dire de ces scènes? Elles sont juste incroyables. Depuis le premier opus, je trouve qu'elles renforcent le scénario. Elles permettent d'avoir les dernières paroles du condamné. Dans Origins, je les trouve superbement bien réalisées en termes de mise en scène et d'ambiance qui s'y dégage. C'est dynamique, c'est mystique et représentatif de chaque personnage qu'on assassine. Donc franchement, un réel plaisir de retrouver de telles cinématiques aussi bien montées. Le seul bémol que j'aurais au niveau du lore, ce serait le côté Izu, notamment avec la pomme d'Eden. Ça franchement, ils ont fait n'importe quoi avec ça, car elle ne sert vraiment à rien. On a l'impression que cet objet d'Eden a été oublié par les scénaristes, car à aucun moment Bayek porte un intérêt à cet objet, qui est quand même à la base du conflit, à la base de la mort de son fils. Donc je trouve ça dommage. Pour revenir sur ce présent justement, c'est plutôt timide. On n'est pas à la hauteur des aventures de Desmond, clairement pas. Mais on avait quand même quelque chose qui aurait pu devenir intéressant par la suite. Malheureusement, on connaît tous la suite avec Odyssée et Valhalla. Quand je reviens sur Origin justement, je me dis mais quel dommage, car Leila avait tout pour devenir un bon protagoniste. Quand on voit Desmond dans Assassin's Creed 1, il n'était pas non plus hyper charismatique, il faisait juste des détours entre sa chambre et l'animus. Je veux dire, il n'était pas super intéressant, c'est par la suite qu'il est devenu intéressant. Il a eu une bonne écriture et une bonne évolution. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui de Desmond la légende, on va dire. Mais Leila, malheureusement, elle n'a pas eu cette suite qu'elle méritait, et c'est vraiment dommage. Maintenant qu'on a parlé pas mal du scénario et du contexte, je vais maintenant vous parler de l'atmosphère et de l'immersion. Car comme dans chaque jeu, les équipes d'Ubisoft ont réalisé un travail de reconstitution absolument magnifique et bluffant. Ils en tirent un monde avec une atmosphère unique, avec des déserts immenses, des marchés grouillants de vie, des tombeaux et des ruines mystérieuses, des tempêtes de sable qui nous arrivent dessus sans prévenir, des champs verdoyants à côté du Nil. La diversité des paysages est presque étonnante. Et pour ceux qui me sortent que
que c'est juste du sable gna gna gna, mais arrêtez et analysez ça un peu plus en profondeur. Car on a certes des étendues désertiques, surtout dans le sud de la map, qui a fait grand débat, mais en m'arrêtant un petit peu partout et en restant un peu sur plage, j'ai pu constater que ces étendues sauvages, déserts, possèdent de nombreuses oasis, villages isolés qui côtoient certaines zones verdoyantes avec des interactions, et que chaque région a sa spécificité en termes d'ambiance, je trouve. Et franchement, j'ai envie de dire qu'avoir du désert en Égypte, c'est quand même logique, non? De plus, dans cette map qui est quand même gigantesque, faut le rappeler, on peut également visiter quelques villes, comme Alexandrie, Memphis ou Cyrène, qui sont chargées en bâtiments et d'histoire. On est loin des immenses villes vivantes comme on a eu à Paris ou à Londres dans Unity et Syndicate. Il faut se dire qu'en Égypte, durant cette période, on n'avait pas grand chose en termes de bâtiments. Et bon, on est dans les origines des assassins, dans une période qui est quand même très lointaine. C'est normal qu'on retrouve pas les mêmes choses qu'à la Révolution française. Donc pour moi, les étendues sauvages dans ce jeu sont totalement justifiées et va permettre d'apporter le côté exploration que personnellement je vais rechercher en tant que joueur dans un jeu qui se déroule en Égypte antique. Sur cet aspect exploration, on sent la patte des équipes de Black Flag, car Origins donne envie de parcourir sans cesse son univers. Il donne l'impression que derrière chaque colline ou oasis se cache un nouveau lieu secret qui n'attend qu'à être exploré. Comme les bâtiments Izu qu'on retrouve à certains endroits qui sont au passage très bien intégrés au décor, notamment dans le grand désert du sud où on retrouve un bâtiment souterrain Izu qui est super bien intégré au décor. Enfin, moi je trouve personnellement. Autre chose qui m'a également impressionné, c'est que Ubisoft a pensé l'open world d'Origins de manière la plus réaliste possible, en proposant un écosystème rempli d'interactions, l'exemple tout bête d'un hippopotame qui va courser un paysan, ou un crocodile qui va chasser un flamant rose un peu plus loin sur le Nil. Au niveau de la population et des animaux justement, je trouve ça hyper réaliste et ça donne vraiment cette sensation de vie. D'ailleurs, au niveau de la population et des animaux, encore une fois, on peut remarquer un cycle jour-nuit, qui sont plus longs et plus poussés que dans les anciens épisodes. Par exemple, la journée, nous aurons des paysans qui vont se lever pour aller travailler. Le midi, si vous avez la chance d'être au bon moment, vous les verrez manger. Et une fois que la nuit va tomber, Origins va montrer un tout autre visage du monde qui nous entoure. Ce sera plus calme, avec des animaux qui vont dormir dans leur pré et des habitants qui rentrent gentiment se coucher après une dure journée de travail. Et ce cycle a vraiment une importance dans le gameplay, mais ça j'en parlerai après. Et pour vous dire que les équipes sont allées très loin dans l'immersion, quand on se rend dans une contrée égyptienne, ça parle égyptien, dans une ville romaine, ça parle romain, et dans une ville grecque, bah ça parle grec. C'est peut-être bête dit comme ça, mais imaginez le travail de recherche qu'il y a derrière, ça te met encore plus dans l'immersion et on a vraiment cette sensation d'avoir une vie qui se dégage du jeu. Le point négatif que j'aurai, c'est que par moments cette immersion est gâchée par de nombreux bugs. Je sais pas si c'est par rapport à la mise à jour que j'ai eue sur PS5 qui cause cela, mais par exemple dans les marchés, nous avons énormément de PNJ qui déambulent, parfois même trop. Certains rentrent du coup en collision avec les chariots en mouvement, et du coup ces PNJ parfois restent coincés dans les roues, ce qui donne des scènes assez drôles, mais qui te sort quand même du jeu. Ou à des moments, d'autres PNJ pop comme ça sans prévenir. Ce sont des détails bien sûr, mais ça m'a parfois sorti du jeu, donc c'est un petit peu dommage. Du coup, malgré cette dernière remarque, avec tous ces éléments cités, je trouve que l'aspect ambiance et immersion dans l'Égypte antique est clairement réussi. Maintenant, je vais entamer une grosse partie qui est le gameplay, l'une des plus grosses révolutions qu'apporte ce Assassin's Creed Origins, notamment avec un style RPG que j'ai personnellement beaucoup apprécié, car il reste simple. On n'a pas 50 000 compétences à la Assassin's Creed Valhalla, des armures uniques et non 50 000 éléments qu'il faut loot pour infliger plus de dégâts à tel ou tel ennemi, c'est vraiment au niveau des armes que tout va se jouer en termes d'amélioration. Et ça reste simple à comprendre, surtout pour des personnes qui sont peu habituées à ce style de jeu, comme moi à l'époque où j'ai découvert Origins, donc c'est vraiment appréciable. Ce que j'apprécie aussi, c'est au niveau du panel d'armes, car on est bien servi. Il y en a pour tous les styles de jeu. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup l'épée et la lance, car ça me permet de faire du corps à corps avec l'épée, et quand je suis dans des situations qui commencent à devenir un petit peu craignos, je commence à m'éloigner de l'ennemi, je prends la lance, et je les attaque. Dans Origins, on peut également retrouver un arbre de compétences qui nous permet d'améliorer notre personnage avec différentes branches selon notre style de jeu. À savoir, si vous êtes plus arc et flèche, vous avez le type chasseur. Si vous êtes plus corps à corps, vous avez plus des compétences guerrier. Et si vous êtes plus dans l'utilisation de gadgets, de potions ou plus dans le côté infiltration, vous avez le côté clairvoyant. D'ailleurs, la logique RPG fait évoluer les combats dans Assassin's Creed Origins. On a moins ce côté cyclique comme on avait dans les anciens AC, où les ennemis attendaient leur tour patiemment pour vous attaquer. Dans Origins, il faut construire le combat, il faut user d'esquive et de contre pour s'en sortir face à une salve d'ennemis. Même si les contres restent compliqués à effectuer, car il faut appuyer sur les touches au bon moment, car dans cet opus, tout est une question de timing, notamment pour le contre du bouclier. Ça, c'est un petit peu compliqué au début, mais après, une fois que tu l'as en main, ça devient tout de suite plus facile. Après, le seul défaut que j'ai par rapport au niveau, à mon sens, c'est que ça oblige le joueur à faire du secondaire pour aller dans différentes régions, car différentes régions sont accessibles qu'à partir de certains niveaux, en tout cas si vous voulez pas vous faire défoncer. Car les ennemis, s'ils sont au-dessus de toi en termes de niveau,
niveau sont très puissants et quasiment impossibles à battre. Et ça, je trouve ça dommage, surtout quand on refait le jeu sans New Game Plus, car ça t'oblige du coup à refaire toutes ces quêtes secondaires qui sont pas forcément utiles. Même si c'est pénible pour un joueur qui cherche à rush le jeu, elles permettent de compléter l'histoire de base, d'en apprendre plus sur le mode de vie de la population et de mieux comprendre l'oppression qu'elle endure. Même si à mon sens, il y en a parfois beaucoup trop, ou certaines qui sont assez inutiles où il suffit d'aller d'un point A ou un point B. Ça, c'est un petit peu le point négatif de ces quêtes secondaires parfois. Au niveau du parcours, il en faut pas plus à mon sens, car la map ne permet pas de faire du parcours aussi poussé que dans Unity. Même si certaines choses auraient pu être sympas à ajouter, comme le fait de faire des petites acrobaties quand on passe par-dessus des objets, un peu dans le style de Assassin's Creed 3 quand on passait par-dessus une barrière. Et il y a une grande évolution au niveau du parcours dans ce jeu, contrairement aux anciens opus, on peut grimper de partout, comme les falaises, et on peut également plonger, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. L'Egypte du coup n'aura plus aucun secret pour nous, ça donne vraiment une sensation de liberté totale qui va améliorer encore plus notre immersion dans la map. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Pour l'infiltration, nous n'avons pas celui le plus poussé de la licence à la Unity, mais il est présent. Il y a la possibilité de faire de belles séquences d'assassinat tout en usant de gadgets comme les fléchettes pour endormir. Par contre, élément d'infiltration qu'on a perdu dans cet opus, c'est la vision d'aigle, qui est remplacée par, c'est nous, un aigle qui permet d'avoir un aperçu depuis le ciel. Je n'apprécie pas énormément cet élément car je trouve que c'est beaucoup trop facile. Car c'est nous repère très rapidement les cibles et le fait de marquer chaque ennemi, ça enlève la méfiance qu'on a quand on fait de l'infiltration, justement. Du coup, on dépend un peu trop de ses nous et je trouve ça un petit peu dommage car on perd ce côté observateur en fait quand on fait de l'approche infiltration. Donc ça, c'est un petit point négatif. Ensuite, quelque chose qui est dommage également, qui n'a pas été reconduit, ce sont les objectifs de mission. Ce sont les objectifs de mission qui permettaient à l'époque d'avoir une synchronisation totale. Et ben, dans cette opposition absent. Je trouve ça vraiment dommage à mon sens, car ça ajoute du défi à la mission, et ça permet de revoir justement son approche. Au mieux d'aller bourrin dans une zone, on se dit, bah tiens, il faut assassiner tant d'ennemis par une boîte de foin, je vais faire un peu plus d'infiltration que prévu. Maintenant, je vais parler un peu du HUD. Je le trouve trop chargé, notamment avec l'intitulé de la quête en haut à gauche, le niveau et les items de compétences en haut à droite, et avec la petite boussole qu'on a en haut de la map. Oui, parce que du coup, on n'a plus de minimap, mais on a une boussole qui indique la distance avec les différents lieux et items. Je préfère avoir une boussole qu'une minimap, car c'est beaucoup plus discret, mais franchement, la façon dont ils l'ont mis, avec tous ces items et les distances, ça me donne une impression d'être téléguidé en permanence, et ça enlève un petit peu l'effet de surprise, je trouve. Et je trouve dommage qu'on puisse pas personnaliser ça, qu'on puisse pas enlever la boussole, justement, voilà. C'est soit on a tous les éléments du HUD, soit ils en enlèvent un petit peu, ou soit on n'a pas du tout. Je trouve ça dommage. Je vais terminer cette partie avec les activités annexes. Je vous ai cité les tombeaux un peu plus haut, que je trouve incroyable, et apporte de l'exploration surtout quand on connaît les mystères que regorge l'Egypte, donc c'est vraiment très sympa d'avoir mis ces tombeaux en place. Nous avons également les combats d'arène, qui sont intéressants et challengeants si vous aimez le combat, nous donnant un petit peu l'impression d'être dans le film Gladiator. Après, il y a beaucoup d'autres activités, mais il y en a une qui m'a marqué, ce sont les cercles de pierre. C'est une activité que j'ai vraiment adorée, car écouter les souvenirs de conversations entre Bayek et Kemu, tout en regardant les constellations, en parlant de mythologie, famille et d'autres sujets, qui nous propose du coup des moments d'émotion et de calme, nous sortant un petit peu de notre aventure. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif au niveau de ces activités annexes. Maintenant, je vais parler un petit peu des DLC. Nous avons deux DLC sur ce Assassin's Creed Origins. Je vais commencer avec le DLC The Hidden Ones, qui se déroule après les événements du jeu principal, où on voit Bayek se rendre dans la péninsule de Sinai, une autre région du coup qu'on va pouvoir explorer dans ce DLC. Bayek du coup sera empêtré dans un conflit entre les forces romaines et les rebelles de la région. C'est clairement un bon DLC car il continue l'histoire des Hidden Ones, explorant les événements qui ont suivi la fondation officielle de la confrérie. On pourra y retrouver Amunet, alias Aya, qui viendra porter assistance à Bayek. Dans l'ensemble, ce DLC est très bon, même s'il est un peu court à mon sens, mais je trouve qu'il apporte énormément aux personnages de Bayek, d'Amunet et à Origins tout simplement. Donc c'est un DLC que je conseille grandement si vous ne l'avez pas fait. Maintenant, le deuxième DLC qui est la malédiction des pharaons, très différent. Il se déroule 4 années après la fin du jeu principal. Bayek cette fois-ci va se rendre à Thèbes et dans la vallée des rois, encore une fois, des nouvelles régions à explorer, où il enquêtera sur une malédiction qui touche la population, une malédiction qui ramènerait les pharaons à la vie. Du coup, explorera davantage la mythologie égyptienne et va nous faire découvrir notamment des contrées mythologiques, comme la Douate ou Aton, qui sont des endroits magnifiques. Franchement là-dessus, je trouve que les développeurs, ils ont fait quelque chose d'incroyable sur ces maps. Elles sont magnifiques, mystérieuses. Après, personnellement, je suis pas un grand fan de la mythologie dans Assassin's Creed, mais je trouve que c'est quand même bien amené, avec le côté Izu, avec l'artefact d'Eden, tout ça. Du coup, si vous l'avez pas fait, je vous conseille grandement de le faire, car il en vaut le détour malgré tout. Du
coup, Ubisoft Montréal avec Assassin's Creed Origins a réussi à donner un souffle nouveau à la franchise qui en avait clairement besoin après Unity et Syndicate. Je vous invite d'ailleurs à voir nos précédentes vidéos de la série des 5 ans après au passage. On avait fait sur Unity et Syndicate qui sont disponibles sur la chaîne. Du coup, cet opus est une incitation au voyage dans une contrée mystérieuse qu'est l'Égypte. Savoir que les origines des assassins se trouvent là-bas, dans une contrée qui est le berceau de l'humanité quand même, faut le dire. Et en plus, avec le délire Izu mythologie, je trouve que ça fonctionne bien pour cet opus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le mélange était bon justement, que la mythologie égyptienne est bien adaptée au délire Izu. Nous avons des personnages secondaires qui sont bien écrits, et les protagonistes principaux qui sont aujourd'hui, je trouve, emblématiques, comme Aya et Bayek, un couple meurtri qui ont une vraie évolution tout au long du jeu. Tout commence avec une question de vengeance autour de leur fils, et au final, ils vont sacrifier leur union pour la cause des autres, et c'est juste super émouvant. Car en plus des personnages, nous avons quand même des scènes incroyables, comme je vous ai dit, avec les White Room, avec... on a des cinématiques qui sont juste des masterclass. En tout cas, moi, ce jeu, il m'a clairement marqué. Il est pas parfait dans tout. Comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux points négatifs, mais clairement, Assassin's Creed Origins reste pour moi un des meilleurs Assassin's Creed à mes yeux, et le restera pour un moment, je pense. Et il montre bien qu'on peut avoir un bon Assassin's Creed avec un style RPG. Car malheureusement, c'est avec la sortie de Odyssey et Valhalla qui, contrairement à Origins, ont déçu à cause de leur style RPG, qui cette fois-ci est beaucoup trop ancré, mettant de côté les fondamentaux phares d'Assassin's Creed, en espérant qu'on retrouve quelque chose de différent et de cohérent dans les prochains AC. Croisons les doigts. Mais en tout cas, retourner sur Origins a été un réel plaisir pour moi. De replonger dans cette aventure, dans le milieu de cette Égypte antique, mystérieuse, c'est clairement un réel kiff à chaque fois, surtout avec la dernière mise à jour qu'il y a eu sur la PS5 notamment. Ça redonne une seconde jeunesse à ce jeu qui le méritait bien. Bon, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai essayé d'être assez objectif parce que bon, il y a quand même des choses qui sont pas parfaites, ça j'en suis conscient. Moi j'ai clairement adoré le jeu, donc trouver des défauts à ce jeu c'est assez compliqué. Après, si vous avez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord par rapport à mes propos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en venir en débattre, il n'y a pas de souci. Tant que c'est un débat respectueux qui respecte l'avis de chacun, il n'y a pas de souci. Car là je vous donne mon avis personnel, ce n'est pas un avis général. Chacun voit les choses différemment et chacun a ses préférences, donc respectez ça, c'est important. Du coup les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de partager via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi de vous abonner à la chaîne Assassin's Creed Experience, c'est très important pour nous. Du coup les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Max Full en direct de la C Experience, prenez soin de vous, et bye bye.